Bienvenue dans cette série de capsules produites par CEP Forensic visant à vous faire découvrir la science de l'expertise. Comprendre la migration de l'humidité et les divers phénomènes qui influencent la façon dont l'humidité se déplace dans un bâtiment est primordial lorsqu'on recherche la cause de sinistres reliés à l'eau. Dans cette vidéo, nous examinerons certains termes clés liés à l'enveloppe du bâtiment et aux façons dont les dommages causés par l'humidité peuvent se produire. Le terme enveloppe du bâtiment englobe tous les éléments du bâtiment qui séparent le milieu intérieur de l'environnement extérieur ceci inclut habituellement l'isolation les membranes par vapeur et par air et les divers sols en plus de ces éléments pour le système de toit cela peut inclure le pontage et la membrane ou les bardeaux pour les murs l'enveloppe comprend le revêtement extérieur et les fenêtres et portes et pour la fondation l'imperméabilisation appliquée sur la structure fait partie de l'enveloppe les dommages par l'eau dus aux défaillances de l'enveloppe du bâtiment peuvent se présenter sous plusieurs formes. Les dommages causés par l'humidité deviennent apparents une fois qu'une quantité suffisante d'humidité a fui à l'intérieur, est retenue par les matériaux de construction et ne peut pas être retirée rapidement. Les premiers signes de dommages causés par l'humidité se présentent sous forme de taches, de zones humides et de moisissures. Certains dommages causés par l'eau sont très apparents, tels que les fuites de toit et de sous-sol, tandis que d'autres sont moins évidents, comme la condensation. Les sources d'humidité comprennent la pluie ou la neige fondante, l'action capillaire de l'eau dans le sol, les fuites d'air à travers l'enceinte du bâtiment et l'humidité emprisonnée dans les matériaux de construction. Les dommages courants liés à la condensation incluent les taches, la moisissure, le gel, les glaçons, les zones humides, les gouttes d'eau, la pourriture et les odeurs. Le contrôle de l'infiltration de la pluie au-dessus du sol et celle des eaux souterraines sous le niveau du sol est au centre des préoccupations des constructeurs et des concepteurs depuis des décennies. Les fuites d'air et la diffusion de vapeur ont par contre reçu beaucoup moins d'attention. Les efforts pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ont fait évoluer rapidement les matériaux et les méthodes de construction, créant des bâtiments plus étanches. Cependant, ces constructions plus performantes en termes d'énergie sont plus sensibles aux fuites d'air que les constructions plus anciennes. En présence d'un défaut de conception ou de construction dans un bâtiment étanche, l'humidité qui s'infiltre n'a pas la possibilité de sécher. Les fuites d'air et la diffusion de vapeur se produisent généralement lorsque les variations de température à travers les assemblages de toitures et de murs sont élevées. Par exemple, en hiver dans un bâtiment chauffé et en été dans un bâtiment climatisé. De l'eau se forme lorsque l'air chaud et humide entre en contact avec une surface froide. Les dommages qui en résultent sont souvent perçus comme des fuites d'eau, mais sont en fait de la condensation. La condensation se développe souvent sur les surfaces des fenêtres, mais peut également se former dans les combles et les assemblages de murs extérieurs, provoquant de la moisissure, de la pourriture et éventuellement de la dégradation structurelle. Bien que la condensation puisse se produire en été comme en hiver. Au Canada, ce phénomène est plus fréquent durant les rues d'hiver. Plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement de la condensation à l'intérieur d'un bâtiment. Par exemple, les comportements des occupants, y compris la cuisson, la respiration, l'arrosage des plantes et l'humidification des espaces de vie, sont tous des éléments qui font augmenter l'humidité ambiante. Les systèmes mécaniques mal entretenus ou inopérants, ou les événements météorologiques extrêmes, comme les vagues de froid ou une humidité extérieure élevée, peuvent également contribuer à la formation de la condensation. Toutefois, ne vous inquiétez pas. Des solutions pour ce type de problème d'humidité existent. Lors de l'étude d'un sinistre relié à l'eau, il est important d'identifier les sources d'infiltration, mais aussi les fuites d'air incontrôlées, les ponts thermiques et la mauvaise gestion de l'humidité. Les principes de la science du bâtiment, les pratiques courantes de construction, de même que les exigences en matière d'isolation et de ventilation, doivent être bien compris par l'investigateur pour s'assurer que la cause est déterminée avec précision. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les dommages dus à l'humidité et à l'enveloppe du bâtiment, contactez nos experts ou lisez nos articles sur le sujet.